Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la promotion de l'épisode de Elite Dangerous. Donc comme d'habitude, nous allons continuer nos différents commerces. Avant ça, nous allons quand même... Tiens, c'est marrant, je viens de réparer pour 10 crédits, il me propose de réparer pour 10 crédits, c'est casse-couille ça. Donc il y a une mise à jour, c'est la 1.4, elle propose différents vaisseaux que je vous montrerai peut-être tout à l'heure directement dans le... Dans le chantier naval, je vais y arriver. Alors. Système Procyon, ça m'intéresse pas. Procyon, ça m'intéresse toujours pas. Pour l'instant, on n'a rien de ce côté-là. On va aller voir dans le chantier naval rapidement. Sidewinder, Eagle, Heller, Transport Type 6, Transporteur de troupes, Transporteur Type 7, et on n'a rien. On n'a pas. Donc on ira voir dans l'autre. Ah, ma souris ne fonctionne plus, apparemment. Bon, c'est pas grave. Alors plein de mises à jour, c'est bien une mise à jour, mais ça bug. C'est génial. Alors tout réparer, c'est possible? Non, d'accord, donc je... Ok, c'est cool. Donc ma souris est complètement buggée, bloquée même je dirais. Donc ça vient pas de ma souris, à mon avis ça vient plutôt du jeu directement. On va aller donc sur le marché, on est toujours à Polyakov. Et donc de la Polyakov station qui est donc en... Si je me trompe pas, à Duhamta. C'est ça. On va comme d'habitude aller acheter du beryllium. Voilà. C'est parti. Pour 411 534 crédits. Donc je vous rappelle que l'objectif est toujours d'atteindre les 2 millions pour pouvoir passer au transport de type 6. Ça va être casse-couille ça. Si on n'a pas la souris, ça va vraiment être pas top. Alors, j'espère qu'il va y avoir une mise à jour pour ça, parce que sinon ça va pas être génial. D'accord, donc c'est la fameuse livrée qui est toujours aussi buggée. Voilà. Voilà, d'accord. Après il me demande. Alors voilà, hop. Pareil, voilà. Je peux tout réparer pour 10 crédits, c'est cool. Enfin bon, c'est pas grave. On va donc se rendre comme d'habitude, chers. J'ai pas accès à mes. Ah oui d'accord, oui non. Ils ont. Ok, pourquoi pas. Ça c'est malin. Ils ont supprimé les différents. Hop. Les différents menus. Ça c'est bien. Alors. Normalement il est là. Voilà. On va y arriver, chers amis. Hop, on y va. Donc toujours pas de RP, je pense que je sais pas comment je vais le faire. Je vais essayer peut-être de le faire à partir du moment où on aura vraiment un vaisseau de transport de troupes. Enfin de transport pardon tout court. Donc le type 6. Qui devrait arriver assez rapidement hein, malgré tout, hein, je pense. Oh là là, c'est hyper... Mes touches! Bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'en chie autant avec mes touches? C'est marrant, ça! Ma touche de propulsion vers le haut ne fonctionnait pas. Là, elle fonctionne, mais tout à l'heure, elle fonctionnait pas. Voilà, ils ont réduit la propulsion qu'elle créait, peut-être. Quoi qu'il en soit, c'est pas top. Bon, c'est pas grave, on y va. Hop. Ah putain, elle est dans une zone noire, non? Non, c'est bon. Parce que des fois, en fait, on peut pas se rendre sur l'autre système parce qu'elle est... Je crois que c'est quand on vient de Groombridge, en fait. C'est Dwemta qui est planqué derrière sa planète. Ce qui est très 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 casse-couille, en fait. Donc là nous sommes actuellement à peu près 1 300 000, entre 1 300 000 et 1 400 000. Une fois qu'on aura les 2 millions, on passera au type 6 et je le fitterai pratiquement automatiquement, entre guillemets, rapidement. Pour toujours optimiser un maximum nos gains, nos profits. Toujours, alors quand je dis un maximum, dans le cadre d'une utilisation régulière. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Il y a par exemple un truc qui va pas vous plaire. Deux trucs qui vont pas vous plaire. Par exemple le fuel scoop va pas vous plaire. Et autre chose va pas vous plaire. Mais vous verrez bien le moment venu. Moi j'ai pu aller donc préparer mon fitting déjà sur un site internet. Vous verrez ensuite ce que ça donne réellement. Alors. Ah bah comme ça a le mérite d'être clair. Ouah c'est quoi cette...
Maniabilité de fou. Waouh, c'est quoi cette maniabilité? C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Je vais plus loin que le truc. Ah, mais c'est beaucoup plus dur en plus. Je vais remonter. Regardez ça! Regardez ça! Je suis désolé. J'effondrerai mon peuple jusqu'à la mort. Bah, je suis désolé. Je fuis. Non, non, je fuis, je suis désolé. Allez! Je me fais agresser, c'est nouveau. Voilà. Allez! Voilà. Et boum, on y va. Alors là, c'était vraiment dur de sortir du truc. Là, ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment. Alors si quelqu'un peut me dire si dans le patch note, il y a une ligne à ce sujet, ça m'intéresserait. Parce que je sais qu'à la fin de l'épisode, j'ai pas y pensé à aller voir. Je suis désolé. Alors aussi je passe l'annonce comme ça. S'il y a des gens qui ont un Orb Weaver de chez Razer Stealth, je serais ravi de... qui sont donc d'ailleurs sans séparer, je serais ravi de proposer une offre. Alors attention, je souligne quand même que c'est le Stealth qui m'intéresse, comme je fais des vidéos. Je veux pas entendre tout le temps clac 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 clac, clac, clac sur l'original. Voilà, l'annonce est passée, chers amis. Alors, on y est presque. On a pris des dégâts pour une fois, c'était violent. Donc bon. Allons-y. Crac. Alors. Oh, mais tu devrais nous faire apparaître encore plus loin de l'entrée de la station. Voilà. Normalement, on va pouvoir faire un demi-tour en flight assist, vous allez voir. On va quand même prendre le... Hop les... Ça pue. Oh nom de Dieu, ça met à la catin. Wouh, c'est pas passé loin. Ouh là 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 là. Marcus, tu fais le con. Hop les. On y va. Oui, ok, là j'ai joué au con. J'ai vraiment joué au con. Alors, piste d'atterrissage 21. Non, c'était la 01. 21, elle est là. Wouhou. Je joue quand même au con. Hein. C'est pas bon. Appelé. Alors, service de spatioport, on va peut-être réparer un petit coup. Oh putain. Faire le plein. Réparation. Intégrité du vaisseau. Parfait. Tableau d'affichage. Voyons voir.
Est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer? Direction de la lande, ça ne m'intéresse pas. Sac-sac, ça ne m'intéresse pas. Dommage. Marché. Donc, je vous rappelle qu'on est revendeur. Qu'on est 10% de revendeur. On a le CQC rank L-Place qui est arrivé. Écoute, c'est dommage de le faire apparaître. Et nous allons donc nous faire un profit total de, chers amis, 73 000 crédits. Ce qui est plus que qu'agréable. Hop. Et donc on va prendre pour repartir, comme d'habitude, un équipement ménager. Voilà. Et on repart en destination de... Du Hamta. Toujours pas de souris, non. Ce jeu est bien, hein. Mais alors ce jeu est buggé. Ce jeu fait des mises à jour moisies. Enfin, fait à des bugs de mise à jour moisis. Les mises à jour sont sans doute très bonnes. Hein. Celle-ci donc apporte donc le QCQ ou le CQC, je sais plus. Donc le CQC. Donc il y a un team deathmatch. Donc vous voyez, avant quand on appuyait sur la touche directement, on partait vers le haut, ce qui était extrêmement pratique. Là, c'est plus le cas. Oh, elle est cachée. En plus, elle est belle, hein. Alors, je vais essayer de passer à côté, mais ça risque d'être compliqué. Oui, ça va être très compliqué, même, je dirais. Bon, qu'est-ce qu'il veut pas? Oui, bah, il se décide de destination de cible masquée. Je sais bien, je sais bien. On va prendre sac-sac alors. Allez. Je trouve que la maniabilité des vaisseaux a changé. C'est marrant. C'est intrigant, c'est inquiétant. Boum! Hop! Sac-sac! J'ai passé du temps là-bas, je sais plus pourquoi. Je ne sais plus exactement pourquoi. Alors, ensuite. Ensuite, on se dirige vers... Comme ça. Hop. Voilà. Parfait. T'inquiète pas. Hop, c'est parti. Et on baisse un petit peu notre propulsion. J'ai peur de me faire agresser. À vrai dire, là maintenant, vu ce qui s'est passé tout à l'heure et la difficulté que j'ai eu à m'en sortir, j'ai vraiment très très peur de me faire agresser et je me demande si le bouclier ne serait pas en fait une mesure nécessaire. C'est con, on était bien. Ça partait bien. Allons-y. Pour l'instant, on n'a personne derrière nous, donc pour l'agression, c'est bon. Je dis bien pour l'instant. Alors. Je vois qu'il y a des gens derrière. Qui, je l'avoue, comment, ne me laisse pas indifférent, entre guillemets, on va dire. Ça me met à peine la pression. Bon, c'est bon.
son sort. Alors. Je n'ai pas encore écrit mes vœux, qu'est-ce que je devrais dire? C'est bizarre ça. Alors. Est-ce qu'on va y arriver? On est peut-être passé un petit peu trop près de la planète, du coup on est très ralenti. Hop, voilà, on est bon. Alors, allons-y. Hop. Voilà. C'est parti. Peut-être un petit peu loin pour faire ça en fait. Allons-y. Y'a un gros vaisseau! Y'a un gros vaisseau! Y'a un gros vaisseau! Ok, c'est bon. Non, tape pas! Oh la vache, l'atterrissage parfait qu'il a fait. Sublime. Il est sublime. C'est quoi? Ah mince, j'aurais bien aimé savoir ce que c'était. Hop. Voilà, en douceur. On rentre dans le hangar, chers amis. Et on va aller voir le service de spatioport pour voir ce qu'ils ont nous proposé. Je sais que j'étais pas très causant sur ce coup-là. J'étais concentré, j'étais un peu en admiration devant le vaisseau aussi, à vrai dire. Et j'ai pas pensé à aller voir ce qu'on avait comme vaisseau là-bas. Désolé. J'ai dû penser que maintenant. Table d'affichage, t'as pas besoin d'équipement ménager ou un truc comme ça, n'importe quoi. Apparemment non. Marché. Alors. La souris qui est toujours complètement immobile. Bah alors. Voilà. Bénéfice de 16 000 crédits. Nous sommes donc à 1 400 000, chers amis. Bon bah voilà, on va se laisser là-dessus, moi je vais essayer de faire le reste un petit peu en off entre guillemets. Ce qui vous permettra dans le prochain épisode normalement. Je vais aller voir ça. Je ne pense pas me tromper en disant qu'il est là. Voilà, et on passera sur ce robot là. Donc vous voyez capacité de cargaison 50 de base, donc on va monter très très haut. Je pense qu'on va monter normalement si je ne me trompe pas à 102 ou à 104. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, à vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Pérou, donc vous retrouvez le lien dans la barre de la chaîne. N'hésitez pas à commenter pour me donner des routes commerciales viables, peut-être plus intéressantes que celle-ci. N'hésitez pas à le faire. En tout cas, moi, je serais ravi d'avoir de vos nouvelles, entre guillemets, et surtout de vos informations, et simplement de vous voir communiquer, partager, donc directement dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de voir que vous commentez, que vous êtes actifs, et que vous êtes surtout fidèles, et je vous en remercie, chers amis. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour votre voyage intergalactique. Et yop.